Salut, alors aujourd'hui pas de montagne, je suis en vacances à l'île Maurice pour mon voyage de noces. Première partie et deuxième partie normalement c'est la réunion. Alors j'en profite quand même pour faire un petit vlog photo. Alors c'est pas mon truc là, normalement la photo de... Normalement c'est pas mon truc la photo de mer, j'en fais pas souvent. Alors j'ai essayé, c'était pas facile de trouver une composition ici parce que donc on est dans un hôtel où il y a une plage de sable tout du long. Et en fait j'ai trouvé une partie où, qui n'appartient pas à l'hôtel et où il y a des cailloux noirs avec une mousse blanche des algues dessus. Et ici pour le coucher du soleil, photographier la mer, ses rochers et le coucher de soleil. C'est bien, on a des nuages ce soir, des beaux nuages qui vont bien prendre de couleur je pense, parce qu'à l'horizon c'est totalement libre. Ouais, donc si vous êtes comme ça à la mer, essayez de trouver des cailloux, une branche, quelque chose qui vous amène, qui vous donne un peu un premier plan, si vous êtes à l'ultra-contang, qui vous donne un premier plan, qui vous permet d'avoir une belle photo. Donc sinon je suis à F8, pour avoir une bonne profondeur de champ, j'ai des éléments assez proches, puis le coucher de soleil qui est à l'infini. ISO 100, sur trépied, l'exposition, je la gère manuellement, mais je fais quand même un vrai editing d'exposition pour être sûr d'avoir une exposition correcte. Ensuite, j'ai un peu de polarisant, surtout pour la mer, et un gradué 3 stops parce que le ciel est vraiment plus éclairé que mon premier plan qui est tout dans l'ombre. Et en ce moment, parce que le soleil est encore assez haut, eh bien j'ai un ND de 6 stops que j'enlèverai parce que j'ai remarqué que si je le mettais après que le coucher de soleil soit passé, moi j'avais des temps d'expression beaucoup trop longs. Sinon, j'ai aussi fait des photos au drone. En allant le plus loin que je pouvais dans la mer pour avoir la montagne qui est derrière moi, qui est une montagne qui est à l'UNESCO, qui s'appelle Le Morne, très très jolie. Donc là je fais un panorama pour avoir la boue de la plage et les montagnes en arrière-plan. Je pense à faire une très jolie photo. Donc, le but ici c'est de jouer avec les vagues. On est dans un lagon donc les vagues sont vraiment très petites, mais c'est de jouer avec les vagues pour les avoir au moment où elles montent ou redescendent devant moi, pas avoir tout qui est sous la mer ou tout qui est dans le sable. Et le deuxième jeu, c'est de jouer avec la marée parce que celle-ci est assez rapide et là je sais pas trop si elle monte ou si elle descend, donc je vais bien voir. J'aimerais pas trop qu'elle descende trop parce qu'après j'aurai moins de cailloux. J'aimerais pas trop qu'elle monte, donc on va voir combien. Est-ce qu'elle bouge beaucoup? J'ai l'impression qu'elle monte. Est-ce qu'elle bouge beaucoup? On attend le coucher de soleil qui devrait arriver incessamment sous peu. Alors là, on était en train de monter Le Morne, qui est la montagne qu'on voyait depuis le drone. La dernière partie est vraiment raide et on est un peu fatigué, donc on n'est pas allé jusqu'au sommet. De toute façon, on ne peut pas aller au sommet principal. On peut juste aller à une plateforme qui se trouve un peu intermédiaire. On ne doit pas être très loin, donc on doit avoir à peu près une vue similaire. Je vous montre. La vue est vraiment sympa ici. Après, pour les photos, c'est pas vraiment la bonne heure. De toute façon, on ne peut pas y venir au coucher et au lever de soleil, c'est fermé. Et en plus, c'est pas facile parce qu'au grand angle, même, c'est difficile d'avoir tous les deux côtés de la péninsule ensemble. Et ouais, peut-être qu'avec un tel objectif, il y aurait des choses à faire, mais avec une lumière plus sympa. Alors là, aujourd'hui, c'était vraiment pour la marche et pour voir la mer depuis le haut. Par contre, on a vu un groupe de singes sauvages en montant, c'était vraiment super sympa, on a pu les voir. J'ai réussi avec mon téléobjectif à faire une photo qui me plaît vraiment beaucoup. C'était vraiment pas facile par contre de faire le focus entre les feuilles, c'est là que ça jouait, il fallait vraiment réussir à faire le focus sur les animaux à travers le feuillage parce qu'ils étaient sur une branche un peu au loin et il y avait plein de feuilles entre moi et eux, mais je pense que j'ai réussi une photo sympa. Donc ce sera fini pour l'île Maurice, c'était pas des vacances pour faire vraiment des photos de toute façon. Mais j'aurai quand même une photo à mon ami au drone qui va bien sortir, la photo des singes, et on a vu des trucs super sympas, des dauphins, la mer, vraiment des vacances de rêve. Donc voilà, et puis normalement, qui va suivre la semaine à La Réunion, on verra, j'espère qu'il va faire aussi beau qu'on a eu ici et que ça va être aussi chouette. Et à toutes.